Coucou à toi qui me regarde, j'espère que tu vas très bien, que ça va très bien chez toi. Aujourd'hui on est mardi, il est actuellement 9h25 chez nous en Corse. Bon, chez toi sur le continent, je pense que c'est pareil. À part si tu me regardes d'un pays étranger, forcément on n'a pas la même heure, mais il se peut que tu fasses dodo à cette heure-là. Mais tu verras ma vidéo plus tard. Aujourd'hui il fait beau, on attend peut-être encore un peu de pluie en fin de journée. Bon, hier il est tombé juste 3 gouttes, donc c'est rien du tout comparé à la grêle qu'on avait eue. Ça, franchement, c'était pas sympa. Pas sympa le temps. Et je voudrais aujourd'hui parler d'un sujet un petit peu que je pense qu'on n'a pas trop abordé sur la chaîne. Notre vie, comment est-ce qu'elle peut être tracée, tout ça, les choix qu'on fait. Parce qu'on est tous amenés dans notre vie à faire des choix. Moi, je sais personnellement que concernant ma vie, je savais que je voulais à la base me tourner vers le métier animalier, chose que pour ma mère c'était pas envisageable, absolument pas. Même à un moment ça a été la danse aussi, mais ça ma mère c'était pas envisageable non plus, animalier ça non plus. Donc il a fallu que je me tourne à l'époque dans mes études, parce que je n'aimais pas l'école bien sûr, vers un BEP comptabilité. Donc j'ai fait plaisir à ma mère. Voilà. Et une fois que j'ai eu cet examen, ce que j'ai fait, j'ai pu intégrer l'école d'auxiliaire vétérinaire. J'étais contente parce que ma mère ne pouvait plus rien me dire parce que c'était la condition. Donc, elle a accepté, elle a financé mes études. Après, moi, j'étais en alternance, tout ça. En même temps, j'étais sur Aix parce que j'étais sur Marseille, tout le bordel. Après, les aléas de la vie ont fait que je suis tombée sur une personne qui m'avait fait quitter mon travail, qui était violente, qui m'avait coupée de tout, de ma famille, tout. Je suis arrivée à rebondir, au bout de 6 mois, à quitter cette personne, porter plainte, tout ça. Avec pas mal de séquelles psychologiques, je ne vous le cache pas. J'ai eu un suivi psy, et je le dis, ça m'a vraiment beaucoup aidée parce que je n'avais plus confiance en moi, je ne mangeais plus. Je faisais 49 kilos. Pour 1m66, je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait. C'était vraiment une catastrophe, j'étais dans une dépression. Et ça m'a beaucoup aidée. Et quelques temps après ça, j'ai rencontré Gaël, qui a été vraiment très patient avec moi. Et comme quoi, le destin avait prévu que je rencontre Gaël pour vraiment cicatriser mes blessures, connaître le vrai amour, le vrai sens de la famille et tout ça, parce que tout ça, je l'ai fondé avec lui. Et c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Et ce qui était encore plus beau, et que je me rappelle de ma grand-mère un jour, quand je lui ai dit que j'avais rencontré Gaël, que je lui avais dit, « Mamie, j'ai rencontré quelqu'un. » Elle m'a fait encore. Elle m'a fait. Et quand je lui ai dit qu'il était d'origine corse, et il travaillait chez Marie Pompier. Là, d'un coup, ma grand-mère, son visage était illuminé. Là, il avait toutes les cases. Militaire, Corse, bingo. C'était bingo. D'ailleurs, elle adorait Gaël. Ma pauvre mamie adorait vraiment Gaël. Pour elle, c'était un amour. Elle trouve juste qu'il n'avait pas assez de caractère par rapport à moi. D'ailleurs, elle lui avait dit, tu vas te faire bouffer. Elle lui avait dit. Mais vraiment, elle l'adorait. D'ailleurs, il ne devait pas l'appeler par son prénom, il devait l'appeler Mamie. Elle lui avait dit, tu me tues toi, tu m'appelles Mamie. Franchement, c'était super beau, c'était super mignon. Après, donc, moi, on s'est installé ensemble avec elle. Bon, vous savez qu'ensuite, on s'est mariés pas longtemps après. Et d'ailleurs, j'avais oublié de vous raconter une anecdote par rapport à la vidéo du mariage. Quand on a annoncé la nouvelle à nos familles qu'on se mariait, bon, de mon côté, ils étaient contents, ben voilà, elle a rencontré quelqu'un avec qui elle est bien, la petite, voilà, elle se marie, fin d'histoire. De l'autre côté de la famille de Gaël, sa mère a répandu la nouvelle qu'on se marie parce que j'étais enceinte. Or, je n'étais pas du tout enceinte. Donc, du coup, ça c'est Gaël qui me l'a rappelé, un jour, ma belle-sœur et mon beau-frère qui arrivent, avec un cadeau pour l'hypothétique bébé. Moi, à ce moment-là, j'étais en haut, parce qu'on était dans un appartement duplex. J'étais en train de faire quelque chose. C'est Gaëlle qui ouvre à sa soeur et tout. Et elle lui dit, ah ben voilà, on a un cadeau pour le bébé. Gaëlle, mais quel bébé? Ben elle était enceinte. Non, elle n'était pas enceinte. Ou alors je suis pas au courant. Là je descends.
J'ai sa sœur qui arrive avec le cadeau. Ah, mais je suis désolée, je pensais que tu étais enceinte. Maman m'avait dit que tu étais enceinte. C'est pour ça que vous vous mariez. Le bordel, le bordel. Alors, non, je ne suis pas du tout enceinte. Du coup, après, Loulou, il avait appelé sa mère. Demander des comptes à sa mère. Je voulais pas l'ambiance. Hein. Donc, il y a eu ça. Après, quand on s'est. Après le mariage, tout ça, on était toujours sur Oban. Après, qu'est-ce qu'on a eu? Après, moi, je suis tombée enceinte d'Océane 3 ans après. Parce que ça a été long. On a essayé pendant 3 ans. Pendant 3 ans, il n'y a rien qui se passait. Et au moment, en fait, où on a dit on va consulter des spécialistes, et bien, au final, je suis tombée enceinte. Juste à ce moment-là. Allez savoir pourquoi. Je suis tombée enceinte. Après, bon, pour la naissance, bon, ça s'est fait. Ça a été très compliqué, mais vraiment très compliqué. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Après, bon, une fois tout ça passé, c'était un pur bonheur. Hein. L'entrée à la maison avec Océane, tout ça, c'était vraiment un pur bonheur. Ensuite, il y a eu. Donc, on ne pouvait pas déménager, enfin, quitter du moins le continent parce qu'on avait déjà ce souhait en nous de la Corse. On l'a toujours eu. Mais on ne pouvait pas. Parce que moi, par rapport à mon travail, je pouvais. Mais changer de boulot. Mais. Le problème, c'est que Gaël était engagé chez les marins-pompiers, donc dans la marine, et il ne pouvait pas quitter comme ça. Donc il a attendu la fin de son contrat et de ne pas le renouveler pour qu'on puisse partir. Donc c'est ce qui a été fait. Et à ce moment-là, ça a été, on l'a senti que c'était vraiment une évidence. Parce qu'on est parti quand pour les dernières vacances avant de venir s'installer en Corse, quand on est venu, qu'il y avait nos familles et tout. Par rapport aux autres années où voilà, il y avait le petit pincement de l'équité, voilà. Sans plus. Ben là, allez savoir pourquoi, il y a eu quelque chose, tac, qui a fait qu'on s'est dit, c'est le moment. C'est le moment. Quand on est rentré sur le continent, on se sentait plus chez nous. On avait ce besoin de repartir, vraiment un besoin. Et on n'a pas cherché à comprendre. On s'est mis à ce moment-là à la recherche d'une maison. Qu'on est passé par agence, parce que c'était vraiment le plus simple en étant sur le continent. On a trouvé notre première maison, on était sur Borgo, franchement, on était content et tout quand on est arrivé, tout ça, et depuis voilà. D'ailleurs, on l'a bien senti, bizarrement, en Corse, on a toujours trouvé des logements qui nous correspondaient, on n'a jamais eu de problème. Alors que sur le continent, quand on y est retourné pour ma mère, ça a été une catastrophe. Déjà, le premier temps, on était chez ma mère, et en plus de ça, quand on a trouvé un logement après, le logement était quand même petit. Mais on ne trouvait pas autrement. Donc, franchement, ça n'a pas été une bonne chose. Et là, en revenant ici, on a directement trouvé un T4. Donc, comme quoi, c'est vraiment que ça devait se passer comme ça. On devait revenir ici. Parce qu'ici, on a toujours été bien, on a toujours été heureux. On a toujours apprécié la qualité de vie qu'on a ici, même si elle est plus chère que sur le continent. Y a des avantages qu'on a. Oui, on paye, mais. Franchement, voilà. C'est quelque chose qu'on regrette pas. Après, on est très attiré aussi par tout ce qui est les États-Unis. On ne sait pas si un jour on n'ira pas du côté de là-bas. C'est pas prévu pour aujourd'hui, mais on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Donc, je me méfie parce que je pense que vraiment qu'il y a un destin et tout. Dites-moi si vous pensez pareil. Vraiment que tout est écrit, tout est dans l'univers, on reçoit même des messages de l'univers parce que même quand on vivait sur Folleli, à l'époque, à Gaël, je lui disais, j'aimerais bien qu'un jour on vive dans ce coin-là de la Corse. Eh bien, devinez où on vit, dans ce coin-là de la Corse. Je lui ai dit ça en 2019, 2018-2019, 2024, on est dans ce coin-là de la Corse dont je lui parlais que j'aimerais bien vivre. Donc, je pense vraiment que tout est écrit et que ce qu'on dit a vraiment se produit. Parce que ça doit se produire. Je ne sais pas vous, si vous pensez pareil, mais moi je pense comme ça. Parce que ça s'est toujours passé comme ça. Même quand, chose folle, quand la première fois que. Dans la dernière fois qu'on est parti en vacances, que Gaël. On ne savait pas encore qu'on allait aménager. Que Gaël avait senti que Céane irait dans cette école-là. De Folleli quand on est
quand on vivait encore sur le continent. Et pourtant, rien ne le laissait présager, parce que quand on est arrivé sur le continent, on était sur Borgo. Donc pas à Folley, parce que Céane, elle était encore petite, alors elle n'avait pas l'âge de l'école. Et ça s'est fait, ben, ça a fait qu'on soit là-bas au moment qu'Océane rentre à l'école, et Océane a été dans cette école. Tout est vraiment, c'est fou. Donc pour moi, tout est tracé en fait. On suit la direction qu'on doit suivre. Donc je voulais partager donc cette petite chose avec toi, parce que je trouve que c'est sympa d'en parler. Moi ça me plaît. Moi ça me plaît, puis j'aime bien chercher à comprendre les choses, voir vraiment comment ça peut évoluer. Et là je suis contente parce que ça suit vraiment un schéma qui me plaît. Je suis maître de. Mais il ne faut pas oublier qu'on est maître de sa vie, maître de son destin. Mais on suit toujours le chemin que l'univers a tracé pour nous. Après, on peut faire des choix, des mauvais choix, mais on revient toujours au choix initial. Donc, s'il y a un moment dans votre vie où ça ne va pas, dites-vous que c'est une mauvaise passe, vous avez pris le mauvais chemin et que vous allez retourner sur le bon chemin. C'est tout ce que j'avais à dire pour. Merci ma machine à laver de mettre un essorage à ce moment-là. Donc, je termine cette vidéo sur cette phrase et je te dis à bientôt.